Le roi du Maroc est-il souffrant? La question, je vous le disais en titre, se pose de plus en plus, d'autant que Mohamed VI n'apparaît plus en public ces derniers temps. Bien qu'il n'y ait aucune confirmation officielle, une chose semble sûre. Néanmoins, il séjourne depuis plusieurs semaines déjà en France, dans le département de l'Oise. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux Benoît Dutot et Nicolas Foulon. B, un petit village au nord de Paris, apparemment comme un autre. Et pourtant, plusieurs fois par an, ses habitants ont pour voisin une personnalité, le roi du Maroc, Mohamed VI. C'est en face, là. C'est juste là. Venez voir. Vous voyez les gendarmes, là. C'est l'entrée du château. Des grilles surveillées par de nombreux gendarmes, c'est tout ce que l'on peut voir. Le château est protégé des regards par les arbres de la propriété. Un domaine aussi grand que le village, acheté par le roi Hassan II il y a une trentaine d'années. Lorsqu'il y séjourne, Mohamed VI est discret, mais il sait se faire apprécier des habitants. Très proche des habitants, il organise des voyages pour le collège Marcel Pagnol de Bay, donc voilà. Oui, il finance les voyages et il offre même de l'argent aux enfants qui n'ont pas l'occasion d'aller en voyage et il les envoie au Maroc pendant un mois avec de l'argent. Dans le village, des hommes en costume cravate, des véhicules de fonction, plusieurs éléments confirment la présence du roi. Mais le personnel à son service reste très discret. On n'est pas au courant, nous. On n'est pas au courant? Non, on n'est pas au courant. Dans le grand domaine qui se trouve de ce côté-là? De ce côté-là? Oui. Moi, on n'est pas au courant. Il est discret? Il est discret. Il est là depuis plusieurs semaines, paraît-il? C'est vrai. Je dirais même plusieurs mois. Ça doit faire un mois, deux mois qu'il doit être là. Une présence de Mohamed VI à B depuis plusieurs semaines, alors que ses absences ces derniers temps à plusieurs événements officiels sont remarquées. Le roi du Maroc était absent la semaine dernière à Rabat pour accueillir le Premier ministre turc en visite officielle. Le 30 avril, il n'accompagnait pas son épouse, la princesse Lala Salma, à l'intronisation du prince Willem-Alexander des Pays-Bas. Des absences répétées, à tel point que plusieurs médias s'interrogent sur l'état de santé du roi. Alors que le site d'un journal indépendant marocain titre sur l'absentéisme royal, le journal espagnol El País parle d'une probable maladie du roi. Mohamed VI est-il dès lors en convalescence au château de Bay? Les autorités marocaines ne donnent aucune confirmation. Au contraire, elles répondent que le roi est en pleine forme, sans donner toutefois de raison au séjour régulier de Mohamed VI en dehors de son pays.